What's up les pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme vous l'auriez vu dans le titre, j'arrête YouTube, ça y est c'est terminé, l'aventure pour moi est finie. J'en ai vraiment ras-le-bol de tous ces haters, de tous ces abonnés qui me prennent pour un robot. J'en ai vraiment marre, j'y arrive plus, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien, ça me saoule, je me sens plus à l'aise du tout devant la caméra et ça commence à me saouler, voilà. Et en fait, si vous écoutez bien ce que je dis, en fait c'est juste un titre putaclic, donc c'est-à-dire juste un titre qui est faux et qui est surtout là pour vous, comment dire, vous donner un centre d'intérêt à regarder cette vidéo, donc pour que justement vous arriviez à m'écouter vraiment, parce que je sais qu'en disant ça, bah, les abonnés vont être à l'écoute. Donc non, j'arrête pas YouTube, les abonnés je vous kiffe à la mort, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de ouf, je vous kiffe vraiment vraiment beaucoup, et non j'arrêterai pas YouTube, c'est une aventure juste extraordinaire, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés ou etc etc, je peux rien faire encore par rapport à YouTube à part partager ma passion et mes vidéos, mais ça me suffit amplement pour le moment et j'en demande pas plus de toute manière. Donc voilà, donc en fait j'aimerais juste mettre un petit truc au point. Donc les gens qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Facebook, c'est à dire que moi je fais pas un compte privé ou je sais pas quoi, moi j'ai mon compte perso, donc Clemento Valles, et vous pouvez tous venir me parler, il n'y a aucun problème pour ça, et venez sur le groupe réception du jour, partagez vos tenues, vos doutes, vos questions et tout, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça, donc n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas à venir. Et surtout, soyez actifs, ne venez pas sur le groupe si c'est pour rien mettre ou si c'est pour rien suivre. Du moins, commentez, pas forcément mettre vos photos et tout. Posez des questions, ou soit commentez, donnez vos avis, etc., etc. Bref, c'était... Je vais pas arrêter YouTube, mais YouTube veut peut-être que j'arrête parce que je vais crever tout à l'heure. Donc, tout simplement... J'ai demandé sur Facebook, justement, comme ça vous pourriez en plus participer à mes petites questions, etc., etc. J'ai posé des questions sur mon groupe Facebook, donc réception du jour, donc que vous pouvez voir ici. Voilà, réception du jour. On n'est que 408 membres. Des questions donc de ma communauté, mais la plupart, c'était qu'une seule personne, c'était Hugo. Il y a eu Loïc qui a répondu à Hugo. Il y a eu Siam, Mathieu Briffo, Mathieu Maroujo. Et encore Siam, donc je vais vous lire les questions et je vais y répondre. Donc la première question de Hugo, c'est quelle est ta matière préférée en vêtements? Donc tout simplement le coton, parce que je trouve que c'est agréable et j'ai pas d'allergie par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'allergies dans la vie. Et c'est d'ailleurs très chiant et super gênant. Quelle est ta couleur préférée en vêtements? J'ai pas de couleur préférée, mais je trouve que le... Je trouve que le blanc ressort vachement bien en vêtements. Je trouve ça classe en fait de porter des vêtements blancs. Je sais pas pourquoi le blanc est souvent reporté à du classe ou voilà, ça fait quelqu'un bien. Enfin, je sais pas comment trop dire ça. Ça s'habille bien et puis tu peux porter ça tout le temps. Donc sur non, quelle marque de chaussures préfères-tu? Alors j'en ai pas qu'une. J'aurais dit mes coups de cœur depuis le début de la chaîne, ça aurait été les Supra. Mais j'aime plus trop ce qu'ils font les Supra en ce moment, ou du moins ça c'est plus trop original, donc du coup c'est un peu relou. Sinon les Yeezy, bien évidemment je veux des Yeezy. Et arrêtez de me dire encore une nouvelle fois que j'ai des fausses Yeezy ou quoi. C'est juste, par exemple les chaussures que j'ai là, ce sont juste des classiques series. C'est pas des fake Yeezy, ce sont juste des classiques series que Classic Series d'ailleurs a repris. Des Yeezy, donc la forme, etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas des fake Yeezy. Le top 10 de tes tenues préférées. Alors, écoute, du coup, je préfère vous mettre ça à la fin. J'en ferai ouais 10 si j'en trouve 10, bien sûr, en préféré. Comme ça, vous verrez bien ce que mes tenues, et ça pourra peut-être vous donner des idées. Hugo encore, une tenue avec un peu de cuir qui peut passer partout. Et j'aime bien parce que Loïc a dit t'as un problème avec le cuir, toi. C'est pas un problème, mais à chaque fois que tu viens de parler, Hugo, en fait, c'est pour me demander souvent ouais, le cerveau, le cuir, je sais pas quoi. Enfin, chacun son délire, mais c'est vrai que le cuir ça se porte plus maintenant. Mis à part les vestes, les perfecto, les délires comme ça, sinon peut-être qu'il y aura un jour ou l'autre, dans quelques mois, voire quelques années, la mode qui se remet à faire du cuir, etc., etc. Mais là, en ce moment même, c'est pas du tout ça, ça se porte plus du tout.
ou du moins faut vraiment tenir, enfin faut vraiment trouver une tenue parfaite et là j'en aurais pas vraiment. Hugo, une tenue pour un premier rendez-vous avec une meuf. C'est une question assez chelou. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai trouvé ça un peu chelou. Parce que, alors ne vois aucun jugement quand je dis ça, hein. C'est mon ressenti. Donc ne vois aucun jugement, j'y répondrai de toute manière. Des questions qui sont un peu bizarres. Premier rendez-vous avec une meuf, bah écoute mec, si t'as une meuf à aller voir, sois comme t'es quoi. Je veux dire, t'habilles pas spécialement parce que tu vas voir une meuf. Je veux dire, reste comme t'es. Si tu te sens bien dans une des tenues, je vois pas pourquoi tu mettrais une autre tenue pour paraître mieux devant la meuf alors que au final t'es pas forcément comme ça. Siam, qu'en penses-tu du site Champ Paris? Qu'il est vraiment très très abusé, c'est un beau site. Très fermé, très privé je trouve. Et qui s'adresse pas du tout à une communauté de notre type, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Je sais que j'ai acheté une veste Champ Paris, mais c'est parce que je vais très très rarement. J'ai été deux fois dans ma vie à Paris et encore, ouais, vite fait. Et voilà, je me suis dit, vas-y, je me lâche, j'y retournerai jamais et tout. Et j'ai eu raison, parce que la veste que j'ai acheté 390€ là-bas, elle coûtait 800 et elle coûte encore 800€ sur le site. Donc c'est vraiment abusé, je trouve ça ignoble de faire ça, parce que du coup ça s'adresse qu'aux stars ou aux délires comme ça, ou pour faire la dose d'économie ou quoi, ou avoir un bon taf tout simplement, mais... C'est vraiment chou. Mathieu Briffo, tu préfères mettre un Okenzo avec des pompes Zanotti ou du Six June? J'ai trouvé la question assez vague. Préfères-tu mettre un Okenzo avec des pompes Zanotti? Bah écoute, pour la classe, vraiment pour la classe, genre ouais, je dirais un Okenzo avec des pompes Zanotti. Parce que c'est vraiment le tip top et c'est classe. Donc ouais, je dirais ça. Mathieu Maruggio, paire de sneakers que tu voudrais avoir? Des Yeezy. Tout simplement, mais les montantes en fait, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur moi. Et Siam, pour la dernière question, quelle est ta marque de luxe préférée? Écoutez, c'est assez compliqué. Je vais dire Champ Paris parce que c'est la seule pièce de luxe que j'ai vraiment. Et pour moi, c'est de luxe parce que vu le prix et vu ce que c'est ça peut pas être autre que de luxe. Après, j'irais Black Caviar, même si les gens vont pas dire que c'est du luxe ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, moi, ouais, je mettrais bien ça. Il y a aussi Xagoman, d'ailleurs, parce que là, je vois d'ailleurs Nat qui a justement testé des baskets Xagoman. Et elles sont vraiment stylées. Voilà, regardez. Elles sont vraiment, vraiment stylées de ouf. Donc, merci à toi, Nat, parce que lui, il va beaucoup dans les magasins luxe, vraiment hyper cher. Et d'ailleurs, merci à toi parce que tu nous partages à chaque fois quand tu t'achètes ou quand tu fais des essais là-bas. Et c'est vraiment super parce qu'on peut voir ce qu'il pourrait nous proposer en magasin. Donc voilà. Donc voilà les potos, la vidéo est terminée. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais, c'est un peu bizarre pour les vidéos en ce moment. Je suis un peu parti ailleurs que sur les vêtements. J'essaye, mais j'ai plus trop d'idées. C'est pour ça, j'ai besoin de vous. Donnez en commentaire vos idées et tout. J'ai besoin vraiment grandement de vous pour ça, pour les idées, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous serez présents en commentaire. Et j'espère aussi que les autres vidéos ne vous ont pas dérangé parce que c'était aussi faire un peu autre chose pour varier un peu. Parce que c'est vrai que je peux pas non plus être non-stop sur les fringues, ça serait impossible. Parce que je peux pas acheter tout le temps sans arrêt des vêtements, c'est impossible. Donc voilà, mes petites de chocolat, j'espère que vous m'en voulez pas trop. J'essaie de vous trouver des idées. Je vais vous montrer un peu ma tenue. Oula, je vais me casser la gueule. Donc là, le haut camel Six June avec tout simplement le t-shirt, voilà, de Uniplay. Le jean Destroy et des Classic Series. Voilà comment je me suis habillé aujourd'hui. Je vous retrouve très très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker, de partager et de mettre des commentaires. Peace mes pupilles de chocolat, je vous adore.